Je m'appelle Anne Willy Ojeker. Je sais que vous serez bénie en regardant ce film. Bon, une chose que j'ai besoin que vous fassiez pour moi, et une chose, connectez-vous en s'abonnant à notre chaîne de YouTube, en s'appuyant sur la cloche de notification, afin d'obtenir des vidéos extraordinaires. Alors, s'il vous plaît, faites ça maintenant. Maintenant, c'est le meilleur moment. Et bien sûr, si vous avez été béni par notre ministère, vous voulez faire des dons, les détails du compte sont sur l'écran. Merci beaucoup. Allez voir le film maintenant. The Willow. Laisse ça passer, laisse ça passer. Ouah, apôtre Romain, est-ce que c'est vraiment vous, monsieur? C'est moi. Ouah, monsieur, j'étais à votre réunion à Johannesburg. Ah bon, bon. Oh, j'étais vraiment béni, monsieur. S'il vous plaît, monsieur, pouvez-vous me donner 2 minutes? J'aimerais vraiment de vous poser quelques questions, monsieur. Apôtre ne voit personne aujourd'hui. Les élèves, écoutons-la. Merci tu beaucoup. Tu disais que c'est la réunion hier? Oui, monsieur. J'étais à Johannesburg hier. Monsieur, donc moi et mon mari ont des soucis. Des soucis de mariage. Et les choses se passent mal. Et j'ai pensé pendant la réunion hier, après avoir écouté votre message, que Dieu vous a vraiment envoyé. Et si je pouvais poser quelques questions. J'apprécie beaucoup, monsieur. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Nous sommes à Monchon, au Clubhouse. C'est un honneur de vous rencontrer, monsieur. De quoi je commençais, apôtre? Moi et mon mari, nous avons eu beaucoup de défis. Et le problème qui me dérange est... mon mari a sa vie dans un ministère local, une assemblée locale pour presque 8 ans. Et sans l'avertissement, il a été chassé. Et cela nous a vraiment peiné. À tel point que mon mari a décidé qu'il aimerait entrer dans le ministère. Mais le problème, apôtre, est que cela me stresse vraiment, apôtre. Il a dit que pour un poste, ce qu'il faut faire, il fera du ministère par tous les moyens nécessaires. Et apôtre, je ne sais pas quoi faire. Nous avons tout essayé, apôtre, mais cela ne sonne pas comme notre mariage sera bien fini. S'il vous plaît, apôtre, aide-moi. C'est bien, c'est bien. La ministère est un peu compliqué. Ce n'est pas un strat de prouve un point. De la sonrière, c'est la mise en route pour accomplir des tâches pour Jésus et accomplissement de ce beau testament. Je ne sais pas si tu as le temps. Oui, monsieur. Mais je voudrais te parler d'un homme qui s'appelle Daniel. Lorsqu'on décide
marcher avec Dieu. Tu entres le mystère. Dieu peut t'entouvenir tout le temps. Dieu peut descendre. Dieu peut t'entouvenir même quand vous n'êtes pas. Moi-même et les gens qui le Seigneur m'ont donné, nous sommes créés pour les signes et les merveilles. Didi, c'est l'heure de manger. Ma chérie, je viens. Hallelujah. Oh, je ne sais pas ce qu'on fait. Dieu, quel homme. Mais quand je suis en Ida, ça est un homme formidable. Dieu, mais quand je suis faible. Dieu, mais juste en 6 ans. Quand je suis déprimé. Si je décide de commencer le ministère maintenant. Si je fais ça pour 20 ans, Dieu, ça devrait, je serai presque l'âge de 60 ans. Alléluia. Je me fais vraiment vieux. Je n'ai pas le temps. Ah, mon chéri, vous n'avez pas mangé. Qu'est-ce qui se passe? Merci. Ma chérie, je gaspille. Je n'ai pas de temps. Je suis supposé de porter la cape de Daoussa. Mon chéri, laisse Daoussa tranquille. S'il vous plaît, mettez le sement en pause et mangez votre repas. Merci. Mon chéri, allez-vous voir le pasteur aujourd'hui? Vous pensez que c'est une bonne idée de démissionner? Tu n'as pas entendu ce que je dis. Tu n'as pas le voir. Vois quoi? La cape de Daoussa. Ah. Ma chérie, je gaspille. Ma génération a besoin d'entendre ma voix. Je n'ai pas de temps. Et mon ancien dépéri, ce pasteur Nicolas, il ne m'apprécie pas. Regardez Chichi et Chegon. Il les a libérés pour aller fonder l'église. Ils ont ouvert aux branches. Mais pourtant, le pasteur ne m'a pas envoyé. C'était des gars à qui j'enseigne à l'école fondamentale. Les gars qui étaient sous mes ordres, ils sont partis pour commencer le ministère. Et je suis toujours ici. Est-ce que je parle de faire de notre enfant qui est mort? J'espère que tu sais que cela fait déjà un an que nous avons perdu notre enfant. Et jusqu'à ce moment, le pasteur ne m'a pas appelé. Mais mon chéri... Il n'a pas appelé, mais il a envoyé des gens. Même quand j'ai posté une photo de notre commémoration, les gens de l'église m'ont appelé. Ils m'ont contacté pour prier pour moi. Les appels des gens d'église, c'est l'appel du pasteur. Chérie. Si les gens d'église peuvent appeler, quelle est la raison du pasteur? Y a-t-il un problème avec l'appel du pasteur? Chérie, c'est pas si profond. Tu réfléchis trop. Je sais pas pourquoi le pasteur n'a pas appelé. Je sais pas. Moi, je sais. Je sais. C'est parce que nous ne sommes pas importants. Ça, c'est la vérité. Didi, laisse le sujet, s'il vous plaît. Et si vous insistez de démissionner, s'il vous plaît, je vous prie de le faire calmement. Je dois le faire calmement. Oui, s'il vous plaît. Calmement, n'évoque pas tous ces problèmes. Vous pouvez même dire c'est à cause du travail ou quelque chose, mais ne complique pas les problèmes. Je vous en prie, Didi. Pas de problème, je ne voudrais pas. Didi, s'il vous plaît, promets-moi que tu feras cela de manière très calme. Promets-moi que tu ne soulèveras aucun de ces problèmes. Promets-moi sincèrement. Soulèvera pas de tes problèmes. Didi. Je te promets, je ne le ferai pas. Ça va aller faux. Bon, mais non. Je te promets, je ne le ferai pas. Écoutez,
Je comprends que tu es le corps accablé. Mais je ne veux pas que nous quittons l'église avec ces problèmes, avec des peines, avec des rancunes. Je veux que nous partirons, Père, s'il vous plaît. Ma chérie, je promets, je ne le parie pas de toute façon. Tout Revêt me connaît maintenant. Je ne suis pas un enfant, je ne suis pas un bébé. Je sais. Je ferai tout ce qu'il faut. Je promets, sincèrement. Puis-je manger maintenant? Oui, tu peux manger. Monsieur, alors vous m'avez donné l'occasion de parler. Je vais parler. D'accord. Oui, vous pouvez parler. Je serai réel et sincère dès possible. Et je dois évoquer tout ce qui est dans mon cœur. Premièrement, quand ma femme et moi avons perdu notre enfant, vous ne nous avez jamais appelés. D'accord. Deuxièmement, Chegon et Chichi ont été envoyés à construire des branches en ville. Ce sont des gens qui m'ont rejoint dans cette église. Les gens que j'ai enseignés dans les formations de travailleurs. Pourquoi est-ce que j'ai relégué? Pourquoi? Après tous mes efforts, après avoir tout servi et ses ministres pour plusieurs années. Troisièmement. Continuez. J'ai réalisé que mon service à vous et ce ministre reste en travers de la mission de Dieu pour ma vie. Parce que vous n'avez pas tenu compte de ma grâce et mention trop. Quatrièmement, monsieur. Enfin, mais des moindres. J'ai consulté avec le Saint-Esprit. J'ai prié et j'ai une série de recontes. Et m'a dit clairement que mon temps est éculé ici et c'est l'heure de me déménager. D'accord, Daniel. C'est tout? Oui, monsieur. Daniel, je pense que je vois la cause du problème et c'est le fait que tu es blessé. Je ne suis pas blessé. Daniel, je suis ton pasteur. Je peux le voir. Je peux l'entendre. Tu es blessé. Je ne suis pas blessé, monsieur. Avec tout le respect que je vous dois, je ne suis pas blessé. Je ne fais pas ce qui convient le mieux à mon objectif en ce moment. Daniel, tu ne dois pas quitter la mise parce que tu es blessé. Son offre de soif ne me semble pas sincère. En fait, Daniel, je pense que la pasteur a résolu la majorité de toutes les turbulences avec toi. Je suis désolé, Daniel. Comment tu te sens? C'est particulièrement impossible pour les pasteurs d'être partout à tout moment et je ne suis pas de ma défendre. Dieu est notre Dieu suprême. Je veux que tu saches, Daniel, que la réalité de ce que tu blesses est loin de ce que tu imagines. Daniel, est-ce que vous m'écoutez? Je vois que tu as pris la décision. Il n'y a pas vraiment pas grand-chose à dire non plus. Je t'ai libéré, c'est ce que tu veux. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Alors, vous allez prier pour moi et mettre vos mains sur ma tête pour l'impartation, juste pour les bénédictions d'un père. Juste donnez-moi la grâce. Quand un homme est absorbé avec l'esprit de rébellion, malheureusement, il a toujours raison à ses propres œuvres. Il n'y a vraiment rien fait de l'humain. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, est-ce que vous dites que je suis rebelle? Daniel, tu peux partir. Je prie que tu finisses bien. Quel type de prière est là? Tu souhaites que je ne finisse pas bien? Vous me maudissez. Ah! Pasteur Nicolas! Je vous ai servi fidèlement. Je vous ai servi dans ce dimanche. Hey! Donc, tous mes efforts et mes labeurs ici, c'est ce que vous priez que je finisse bien. Monsieur, vous devez comprendre que j'ai prié à propos de deux sujets. J'ai eu une série de confirmations et une série de recrontes et c'est le Saint-Esprit qui m'a dit de partir.
Je vous supplie, libre-moi. Et libre-moi bien, monsieur. Je vous ai servi fidèlement. Libre-moi. Ah! Daniel, tu peux partir. Je ne te maudis pas. J'ai juste prié que tu finis bien. Je vais bien finir. Pasteur Nicolas, je vais bien finir. Priez pour moi. Je vais bien finir. Cette voiture. J'appellerai Didi. Didi décroche. Oh, Didi décroche. Il ne décroche pas. Décrochez votre appel. Je suis... Tu es une célèbre. Bakhti. Célèbre. Je t'ai vu. Oh. En haut, à l'hôtel. Vous deux. Au Ghana. Tu voyages en avion. Comme pire. Bon Dieu. Le balcon. Vous deux. Au Ghana. Vous allez voler. Vous deux. Le Ghana. Le podium. L'hôtel. La femme super. Le meuble à l'étage. Par contre. Vous allez voler. Vous allez voler. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste regardé. Juste comme ça? Mais pourquoi elle a dit que tu vas pas bien finir? Je te dis avant. L'homme ne m'apprécie pas. Je pense qu'il t'a libéré maintenant. Bien sûr. Il n'a pas d'autre choix. Mon mari, nous allons bien finir. Amen. Aucune déclaration négative sur ta vie ne devrait avoir l'effet. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ça va aller. Ah. Mais dis-moi, comment tu vas pouvoir régler les problèmes de la battue? Mon cœur, c'était un bon samaritain. Je te dis, le gars m'a aidé avec la bactérie de sa voiture pour démarrer la voiture. C'est comme ça que j'ai quitté cet endroit. Wow. Sinon, je serais toujours là. Oh, grâce à Dieu. Je me demande pourquoi notre voiture tombe en pas dans les endroits bizarres. Mon chéri, honnêtement. Ah. Pourquoi ce numéro m'appelle depuis bizarre? Et ce n'est pas un numéro nigérien. Il semble que c'est un numéro de Ghana. Mon chéri, décrochez. Alors que je vais aller voir ce que j'ai mis au faux. Mais qui est cette personne? Allô? Hello, est-ce que c'est Daniel? À qui je parle? N'es-tu pas Daniel Osmo? Oui. C'est moi, Kofi Addo, de Ghana. Colocataire de l'école Seatime and Harvest School. Kofi? Oui, c'est Kane. Comment tu vas? Ah! Ça va? Ça fait longtemps, mon frère. Mon frère, j'ai entendu que tu as perdu ton enfant. Je suis désolé. Oh, merci. Ça fait déjà un an. C'est Abby qui a posté la nouvelle dans le groupe des anciens élèves, donc j'ai demandé ton contact. Ah, je pensais que tu as mon contact. Tu m'as oublié. L'homme de Dieu. Je l'ai avant, mais j'ai changé mon numéro. Ah, d'accord. Dieu c'est le mien. Je suis désolé, mon frère. Que Dieu soit avec toi et ta femme. Amen, oh, merci. Tu sais que je me suis consacré maintenant au temps plein au ministère. Et puis quand? Si tu vois la capacité et l'épanouissement de mon ministère, tu ne vas pas y croire. Que
Qu'est-ce qui se passe au Nigeria maintenant? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Je savais dans une minute. Une chose mène à une autre. C'est une longue histoire. J'ai quitté les ministres. Je viens de quitter aujourd'hui. Je suis libre comme un monsieur. Et? J'ai confiance dans la direction du Saint-Esprit. Peut-être je peux commencer mon dimanche et peut-être je me vais servir d'un autre ministre avant de commencer mon dimanche. Tu peux venir au Ghana. Le Ghana? Que feras-je au Ghana? Tu peux rejoindre mon ministère. Il y en a assez. Tu peux profiter ici. Ça t'arrange? Nom de Dieu, tu pars de Ghana. Si c'est juste derrière ma maison, calme-toi. Il semble que tu ne me connais pas. Va me chercher en ligne et tu vas finir par comprendre ce qui se passe. Je t'invite au Ghana parce que je peux prendre charge de toutes les dépenses au lieu de gaspiller des potentiels au Nigeria. Viens au Ghana et tu vas rester ici. Tu me veux que je vienne au Ghana? Ah, c'est une grande occasion. Je n'ai jamais pensé d'aller au Ghana, tu sais. Mais si le Saint-Esprit dirige, je peux aller à n'importe où les ministres. Après tout, je suis libre ce temps-ci. Daniel, tu ne peux pas se forcer au Nigeria. Tu étais le plus intelligent en classe. Viens au Ghana. Bon, je vais y penser. La possibilité de venir au Ghana n'était jamais dans mon plan. Et puis, je vais consulter ma femme pour voir les possibilités. D'accord. Pas de problème. Il faut la saluer de ma part. D'accord, frère. Au revoir, Kofi. Mon cœur, c'est qui ça? C'est mon ami Kofi, des corps bibliques. D'accord. Quoi de neuf? J'ai entendu le Ghana. Ouais, ils m'ont demandé de venir au Ghana pour rejoindre son ministre. Le Ghana? Encore? C'est quoi encore? Je ne suis pas encore allé au Ghana et je n'ai pas planifié d'y aller. Mais que, c'est pas ce que j'essaie de dire. Je pense juste de quelque chose. C'est quoi la chose? Tout à l'heure, au point où la voiture est tombée en panne, un fou m'a approché. Vous deux. Le Ghana. Le podium. L'hôtel. La femme super. Le meuble à l'étage. Par contre, vous allez voler. C'est ce qu'il a dit? Oui. Aujourd'hui? Aujourd'hui. Aujourd'hui? Aujourd'hui, mon cœur. Et il a dit qu'il a vu nous d'eau. Allons au Ghana, oui. Personne. Allons voler. En autre. Le podium. Waouh. Je sais pas quoi. C'est Dieu qui a parlé à travers lui. Oh, chérie. Ma chérie. Jésus. Jésus, 3 millions. 3 millions? Kofi vient d'envoyer 3 millions. Jésus-Christ. C'est énorme. Ah. Mankou, Kofi vient d'envoyer 3 millions. Nera. Formidable. 3 millions? Combien de temps? De temps, 3 millions. Wow. C'est ce que je disais. C'est ce que Pasteur Nicolas ne peut pas faire. Tu vois ce que je disais? Juste aujourd'hui, je démissionnais. Je suis rentré chez moi. Kofi m'appelle de nulle part. Et bien tout à coup, il m'a envoyé 3 millions naira. Et puis, il m'a invité de venir au Ghana. Et puis le four. Et puis les fours. On appelle cela comment? Ce n'est pas une coïncidence. Cela ne peut pas être une coïncidence. Waouh. C'est Dieu. Dieu est tes dons. Mais encore, qu'est-ce qu'on va faire? Allons au Ghana, bien sûr. Juste comme ça? Qu'est-ce que je dois te faire? Oh, c'est rapide. C'est ce que Dieu fait. Si le jeu se passe vite, c'est clair. Il y a un confetti dessus de nous. Je te dis, mon esprit ne me trotte jamais. Quand j'étais avec Pasteur Nicolas, j'étais limité. Didi. Juste aujourd'hui, la voie est ôtée. Et les choses tournent très vite. Je ne suis pas confus.
Mon cœur, je pense que nous devrions prendre les choses lentement. Oh, écoute, je ne me précipite pas juste pour aller au Ghana pour faire quoi que ce soit. Tu peux rester en arrière. Je vais juste y aller et vérifier qu'est-ce qui se passe là-bas. Bien sûr, je ne peux pas refuser Pasteur Kofi maintenant. Il est mon ami, tu sais. Mon Dieu. Je pense que tu dois lui envoyer un message de remerciement. Je vais le faire. Je vais le faire. Les choses se passent soudainement. Kai! Le Ghana, me voilà! Bienvenue au Ghana, mon frère, bienvenue. C'est bon de te revoir. C'est génial de te voir au Ghana. Comment était le voyage? Mon mec, c'était stressant. Ils sont retardés le vol pendant 6 heures avant que nous puissions monter à bord. Jésus, ces compagnons aériens ne cesseront jamais de nous décevoir. Dieu te dit. Ne te stresse pas, allons-y. Nous allons manger du riz de Ghana. Ah, le riz Ghana. Du riz de Ghana. Mets-toi à l'aise. Comment les repas? Waouh, ravissant. Tu es sûr? Oui, je l'aime. Entre les gelots de Ghana et Nigeria, quel est le meilleur? Tu sais, non. Les Nigériens sont toujours partis. Tu l'as cousiné? Non. L'un de mes filles l'a fait. Vraiment? Oui. Alors, où est ta femme? Ma femme est en Zambie. Waouh. Pour l'émission. Waouh. Elle est aussi une pasteur? Oui, elle est. C'est bon. Merci, mon frère. Mais la nourriture est épicée. Désolé. Je pense que tu aimes toujours les pistes. Oui, bien sûr. Mais ne t'en fais pas. Avec les gens de souffrance que je donne les mains de Pasteur Joe que j'en savais, il n'y a aucune souffrance que je ne peux pas supporter. Je souviens. Personne ne mérite d'être traité ainsi. Ce pasteur n'a pas bien fait du tout. Je suis désolé que tu aies traversé cela. Comment un pasteur peut-il laisser un jeune ministre comme ça abandonné juste parce qu'il veut commencer son propre ministère? Si j'étais à ta place, je l'aurais maudit et le remettre. Cependant, je suis là maintenant. J'ai hâte de faire partie de votre ministre. Tu vois tout le travail que tu as accompli? Je ne savais pas que ton ministre était si grand jusqu'à ce que je vérifie le réseau social. C'est Dieu qui nous aide. Tu ne peux pas aider Dieu. Et il ne t'aidera pas en retour. C'est un simple principe que je suis. Tu es Dieu? Oui. Comment Dieu peut-il agir sans notre aide? Nous l'aidons et nous sommes ses serviteurs sur terre. Tu te débrouilleras bien ici, mon frère. Tu ne regretteras jamais cette décision. Et tant que tu resteras fidèle à tout ce que tu apprends ici, je peux assurer que tu resteras vite. La prochaine fois que tu poseras les pieds au Nigeria, ton père spirituel se posternera à tes pieds. Je savais que venir au Ghana serait une bonne décision.
et cela allait déjà. Ma femme se demandait pourquoi il ne m'a fallu longtemps pour accepter de venir au Ghana. La vérité, c'est que mon esprit ne me trompe jamais. Je suis tellement sûr que j'ai été divinement ordonné par Dieu d'être connecté avec toi. Je suis parfaitement d'accord avec toi, mon frère. Je suis impatient de montrer à Pasteur Nicolas que j'ai eu l'onction sur ma tête. Je suis de lui prouver et à tout le monde à l'église que je suis un ministre prospère. Daniel, tu es dans la bonne compagnie. Moi, prophète Kofi Addo, comme l'un des plus grands prophètes au Ghana et en Afrique, il faut juste marcher près de moi et tu vas voir comment la vie se transformera en un pénitent. Je sais. Bon, demain c'est dimanche et je veux que tu me rejoignes à l'église. Bien sûr, je viens avec toi. C'est génial. Quand tu viens à l'église demain, tu dois être prêt à coopérer. Oui, tu dois coopérer. Coopérer. Allô, Etienne Amanda, s'il te plaît, me rejoins pour tes prières spéciales et purifications. Maintenant, écoutez-moi ce soir. Oui. Il y aura une visite. Oui. Je peux vous dire quelque chose. Oui. Les candélabres en main sont apparus chez moi. Dis-moi. Mon Dieu. Et ils ont tiré 49 balles. Pas même une seule balle n'a touché mon corps. Parce que je suis voyant. Hey. Avant qu'ils ont arrivé. C'est ça. Les voyants étaient ici ce soir. Ce soir. Puis-je prophétiser? Prophétie. Puis-je prophétiser? Mon Dieu. Je vois dans l'esprit. Mon Dieu. J'attendis par mon oreille droite. Daniel. 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 Dosomo. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui s'appelle Daniel? Daniel. Dosomo. Dosomo. Où est-il? Où est-il? Daniel. 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 Es-tu Daniel? Es-tu Daniel? Louez le Seigneur! Je suis le prophète. C'est vrai, papa. Je suis un voyant. Tu es un voyant. Hey! Tu ne peux pas mentir. Es-tu Daniel? Je suis Daniel. Des Nigériens. Dis-moi. Ne m'embarrasse pas. Ne m'embarrasse pas. Dis-moi. 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 Ne m'embarrasse pas. Ne m'embarrasse pas. Dis-moi. Ne m'embarrasse pas. Dis-moi. Ne m'embarrasse pas. Ne m'embarrasse pas. Dis-moi. Quand tu viens à l'église demain, tu dois être prêt à coopérer. Coopérer? Oui. Tu dois coopérer. Oui. Je viens de Nigeria. Hey! Tu ne peux pas mentir. Pour intercession. Écoutez-moi maintenant. Daniel. Daniel. Bien. Je vois dans la vision. Mon Dieu. Quelque part dans l'année dernière. Prophétise. Dans le mois de février. Va plus profond. Tu as perdu ton fils. Tu as perdu mon fils. Oh! C'est comme ça on célèbre Dieu. Oh! Je vois dans le domaine de l'esprit. Prophétise. Même lorsque tu te tiens devant moi. Tu as un problème de rein. Mon Dieu. Jésus. Pourquoi tu cries, Jésus? Je suis choqué. Puis-je prophétiser? Prophétise. Puis-je aller plus profond? Va plus profond. Puis-je aller plus profond? Va plus profond. Je vois dans les visions. Va plus profond. Que Dieu va guérir ces problèmes de rein que tu as. Bâtard. Mais tu vois, il y a un problème. Règle le problème. Je vois dans le domaine de l'esprit. Comme. Que ta femme au Nigeria. Comment? Il y a un schéma dans sa mon famille. Dieu. Que beaucoup de personnes deviennent folles hey. Dans sa famille.
Je vois que sept de ses frères et sœurs deviennent fous. C'est vrai? Oui, c'est ça. C'est vrai? Oui. Hey! S'il vous plaît, célèbre le Seigneur. Puisse prophétiser. Puisse aller plus profond. Plein pouvoir, papa. Maintenant, écoutez-moi. Aujourd'hui, tu sauras que tu as rencontré un prophète. Il me gère. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Bouge, papa. Je vois dans le domaine de l'esprit. Mais... aujourd'hui, ta délivrance est arrivée. Yes, Saka. Maintenant, écoutez. Je vois que tu vas me servir. Tu vas me servir. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Et comme tu me serves, la grandeur en toi va apparaître. Amen. Mon Dieu. Oh, le meilleur de notre temps. Oh. Puis-je prophétiser? Prophétiser. Puis-je aller plus profond? Pas plus profond. Maintenant, écoutez-moi. Oui. Le Seigneur m'a dit, il y a quelqu'un ici. En fait, je vois 75 personnes dans cette maison. Oui. Tu veux devenir doux. Oui. Tu veux devenir doux. Oui. Le Seigneur m'a dit, comme il serve cet homme, Omar. Il sait comment ça me servir. Mon Dieu. Vous serez aussi grand si vous pouvez donner une offrande. Ah, une offrande. Pourquoi tu restes là-bas? Et déposer sur cet autel. Mon Dieu. Est-ce que quelqu'un peut courir avec l'offrande? Ah, amenez les enfants. Merci, papa. Je t'apprie. Est-ce qu'il n'est pas la dame qui a joué la d'une prothèse au Cameroun? Oui, monsieur. La bien fait. Réservez-la pour une invasion au Botswana. Oui, papa. Merci, papa. Merci, papa. Je t'apprie. Qu'est-ce que c'est? Ceci, c'est votre part de l'argent que nous avons eu ce soir. Un peu de manière de dire merci pour votre coopération ce soir. Car vous avez bien fait. Vous êtes un acteur. Nous voyagerons à plusieurs pays. Plus de dollars. Plus de dollars. Je ne comprends pas. De quoi étaient-tu les drames à l'église aujourd'hui? Est-ce que vous faites des faux miracles? Ce n'est pas la bonne façon de le dire. Nous ne faisons pas de vos miracles. Nous ne sommes que des assistants de Dieu. Des assistants de Dieu? De quoi s'agit-il à propos d'aider Dieu? Ne vous inquiétez pas. Allons manger. Allons manger. Nous allons parler après. Attends, mettez l'argent dans un sac. Oui, papa. Et la mettre dans le coffre. Daniel, beaucoup de chrétiens n'aiment pas lire leur Bible. Ils ne connaissent pas les préceptes de la foi. Ils ne veulent pas prier pour eux-mêmes. Je vous assure que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas Dieu, surtout en Afrique. Ils aiment les miracles, l'argent miraculé, une maison miraculeuse, un mariage miraculé, tout ce qu'ils regardent c'est le miracle. Supprimez les miracles dans l'église d'aujourd'hui. Je vous dis que beaucoup d'entre eux ne seront pas chrétiens. Il y a un grand écart et nous devons en profiter. Regardez de cette façon. Avant que je vous ai appelé, votre cas et je vous ai donné un mot de prophétie. Le mot de prophétie que tu as menti à propos? Écoutez-moi, Daniel. Si j'ai besoin d'agir la foi du peuple pour recevoir des miracles, je dois organiser des cas comme les vôtres. Qu'est-ce que je vois ici? Il ne peut pas marcher. Dès que je la touche, levez-vous, 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 levez-vous et marche. Le moment où il voit cet art, les stimuler à recevoir, et les gens commencent à sortir pour témoigner qu'il soit reçu un miracle pendant les shows. C'est comme faire vivre une mort de 1% pour qu'elle soit complètement changée. Daniel, la Bible dit que la foi vient par l'audition de la parole de Dieu, mais ces gens ne veulent pas écouter. Ils veulent voir. Donc la seule chose que vous faites, c'est de stimuler leur foi pour qu'ils le reçoivent. Nous aidons Dieu pour que Dieu les aime. Wow.
les assistants de Dieu. Mais je pense que c'est quand même une méthode douteuse. Vous voulez dire que votre prophétie est fausse? Non, pas du tout. Je suis un véritable voyant. J'ai commencé de voir dès l'enfance lorsque j'ai 6 ans. Ma mère. Kofi. Atadoua va mourir la semaine prochaine. Tim, tais-toi. Tu sais quand tu n'es pas censé de parler comme ça. Quand tu dis quelque chose, la chose se réalise. Tout ce que j'ai dit à ma mère s'est réalisé toujours. Mon don, ce n'est pas parce que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. C'était toujours là. Je ne pense que si j'ai formalisé ma décision de donner ma vie à Jésus-Christ. J'ai appris à parler en langue de ma France. Les gens m'appelaient prophète. Wow. J'ai donc laissé les flots de me guider. Mais maintenant, je ne vois plus. Je pense que je l'ai perdu. Mais la pression des gens de me faire voir, c'est ce qui me pousse à fabriquer des miracles, témoignages et des prophéties. Daniel, les gens ont besoin d'aide. Et c'est pourquoi nous sommes les assistants de Dieu. Donc, pour que le ministère réussisse et pour la glorifier, le travail de Dieu. Entre nous, employés des services d'un syndicat qui fournit des informations et les actes payés, la destination finale est la même, la convention. Nous libérons les captifs et levons les fonds pour le travail du royaume. La convention, c'est la sagesse. Je n'ai jamais vu le jeu de cet angle. Dédé, tu me connais. Je ne suis pas une mauvaise personne. Mon objectif est d'aider les gens. Mon Dieu. Je suis vraiment désolé. Je n'ai pas dû avoir cette conversation avec vous. Je suis vraiment désolé. Je vois dans le domaine de l'esprit. Prophétie. Même lorsque tu te tiens devant moi, tu as un problème de rien. Mon Dieu. Je vois dans le domaine de l'esprit. Je suis. Ah. Ah. Quand est-ce que Daniel a eu des problèmes de rien? Mon Dieu. Je suis. Les personnes deviennent folles. Quoi? Dans sa famille. Je vois que c'est de ses frères et sœurs. Et puis comme ma famille. C'est vrai. Oui, c'est ça. Oui, la tendance à la folie. Jésus, qu'est-ce que c'est tout cela? De quoi s'agit-il? Hey! Formidable! Je dois appeler Didi. Qu'est-ce que c'est tout cela? Formidable! Calme-toi. Comment tu dis que je devrais me calmer? Quand as-tu eu un problème de reine? Attends, chérie, laisse-moi te l'expliquer. Qu'est-ce que vous voulez dire que ma famille a une tendance à la folie? J'ai regardé la rediffusion de l'émission et j'ai vu des choses incroyables. Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. Ma chérie, le ministre est plus profond que j'avais imaginé. La façon qu'ils sont folles menées ici. Vous devez utiliser la stratégie pour amener les jeunes à l'église et renforcer leur foi. Chérie, parce que personne ne vient s'il ne voit pas les miracles et la foi active les miracles. Daniel, donc tu es d'accord avec ton ami de mentir sur les jeunes et de les tromper? Tu montais lors d'un programme international et tu le qualifies de stratégie? Oh, tu ne comprends pas. Tu passes à côté du sujet. C'est l'objectif final qui compte. C'est quand utiliser ce que vous savez que quelqu'un désire et l'utiliser pour amener à un endroit. L'idée est de rendre les pistes solides. Et lorsque la foi est déclenchée, le vent de ciel est ouvert pour une récurrence surnaturelle.
Daniel Dosumu, qu'est-ce que tu dis comme ça pour l'ami du ciel? Chérie, ce que je veux que tu fasses, c'est de prendre tes bagages et de me rejoindre au Ghana. On dira qu'on se trouve déjà sur Gisement d'or. Viens au Ghana, je t'envoie $2,000. Que je vienne au Ghana? Quoi? Viens. Allô? Didi? La maison, les doux foyers. L'amour du ciel, mon amour, cette place est très belle. Je te dis, le photo que Dieu a envoyé ne rend pas justice à la beauté de ce lieu. Je m'assurerai d'arranger partout, juste pour toi. Pour l'amour du ciel, je l'aime, chérie. Bien sûr. Laisse-moi prendre des bagages. Ah. Wow. Cette place est vraiment belle. Le prophète Kofi a vraiment fait de son mieux pour nous. Ma chérie, tu m'as vraiment manqué. Pareil pour moi, je t'ai vraiment manqué. Imagine rester au Ghana sans toi. Je t'ai vraiment manqué. Je mourrais de faim. Je suis sérieux. Je sais. Une minute, je pense que le prophète est là. D'accord. Papa! Hello, Daniel. Sois le bienvenu. Comment vas-tu? Je vais bien. Wow. Ma femme est arrivée. Oh! Est-ce que c'est Rita? Dosumu. M'embrasse. Super. Soyez la bienvenue au Ghana. Merci beaucoup, monsieur. Tu es très belle. Merci, papa. Super. Merci. Bien. À quoi va? Merci, monsieur. Daniel, votre femme a l'air d'une bombe. Merci beaucoup, je monsieur. Je sais que les femmes nigériennes sont belles, mais tu es comme une âme. Tu es laissé tes ailes où? Monsieur, tu es très drôle. Merci beaucoup. Et je veux vraiment vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous. Je vous dis que cette maison est très belle. Tu es très belle. Merci beaucoup, monsieur. Super. C'est que tu viens d'arriver, mais je dois prendre ton mari pour quelques minutes. Nous devons aller rendre visite à certains membres de l'église pour la prière spéciale. Mais je ne pense pas qu'on va prendre trop de temps. D'accord, sans problème, monsieur. Pendant que tu es installé, je voudrais t'accueillir. Pas de problème, monsieur. Je vois des prophéties sur votre vie. Oh, et il doit être exaucé. Amen. Avec quelques spéciales, tu es béni. Amen. Arrêtez de m'appeler, monsieur. Appelle-moi papa. D'accord, ça. Merci, papa. Merci, papa. D'accord, chérie. D'accord. Didi, n'oublie pas, à bientôt. Où est cette place? Nous sommes venus voir Myokushichi. Nous l'appelons la mère des signes et merveilles. La mère des signes et des merveilles. Allons-y. Prophète, vous êtes ensemble? Oui, nous sommes ensemble. Je reviens. Qui est-elle? Elle habite ici? Je ne connais pas où elle habite. Elle est partout et nulle part. Bienvenue, mais Kofi est là de vous voir. Elle dirige les syndicats. Cela arrange les interprets et miracles pour moi-même et nombreux prophètes. Super. Laisse-lui entrer. Oh!
Comme je t'ai dit avant, il n'y a pas de comportement diabolique. Nous ne tuons pas. Nous ne faisons rien de sorcier. Nous utilisons juste quelques cerveaux que Dieu nous a donnés pour créer une super stratégie qui fonctionne. Vous avez été fidèles depuis que nous avons commencé à travailler ensemble. Je super pense que c'est le bon moment de vous introduire. Je super pense que c'est aussi temps que tu commences à me représenter dans cette réunion. J'ai une invitation de Cap Coast. Ah, c'est true. Aussi vite, vous me donnez une invitation. Ceci est ce que Pasteur Nicolas n'a jamais fait pour moi. Toutes les années que je lui savais, mon Dieu, si je retourne au Nigeria, je vais montrer au Pasteur Nicolas comment construire une église internationale. Ce n'est qu'une question de temps. Merci. Je t'en prie. Vous merci êtes mon frère. Vous ne savez pas ce que vous avez fait pour vous moi. Vous êtes mon frère. La main veut vous voir maintenant. Suivez-moi. Laura, qui est cet intrus que vous avez laissé entrer? Je suis désolée, mère. Kofi a insisté qu'il veut vous voir ensemble. Oui, c'est moi qui lui ai dit. Il s'appelle Daniel. Maintenant, il travaille avec nous. Je voudrais qu'il te rencontre pour l'après-midi. C'est moi qui lui ai dit de me suivre. Il s'appelle Daniel. Maintenant, il travaille avec nous. Je voudrais qu'il te rencontre pour l'après-midi. Il faut nous excuser. Kofi, comment pouvez-vous faire entrer quelqu'un dans cet établissement sans mon consentement? Je voulais juste qu'il vous rencontre. Il est un bon homme, aucun problème. Aucun problème? Il est nigérian. Il a récemment commencé à travailler avec moi. Vous pensez que je ne le sais pas? Vous pensez que nous ne suivons pas vos activités, que nous ne gardons pas de traces de vous? S'il vous sert, au moins vous devrez lui laisser le temps de le faire avant de me demander ma permission et d'attendre que je vous l'accorde avant de l'amener ici. Est-ce que cet endroit est un centre commercial? C'est noté, s'il vous plaît. D'ailleurs, l'argent que vous me devez pour les croisades au Cameroun, Congo et au Malawi, quand allez-vous me payer? Vous m'avez donné de mauvaises adresses. Mauvais aimer et mise. Elle était terrible. La femme que vous m'avez donnée pour jouer le rôle d'un patient de cancer était censée s'évanouir sous l'effet de l'onction. Mais elle a contribué de faire des cercles. Et même que celle qui a joué le rôle des personnes avec une évance cérébrale et de nombreuses autres. Nous n'avons pas même gagné d'argent. Ce n'est pas notre accord, Kofi. L'accord est simple que je dois avoir ma part de chaque croisade où vous utilisez mes services, quel que soit le résultat. Oubliez cela pour l'instant. J'ai besoin de bons artères. J'ai une croisade en Ouganda et je ne veux pas qu'elle soit un fiasco. Je cherche des artères de qualité qui peuvent jouer le rôle de 7 personnes handicapées, 10 personnes atteintes de cancer et 5 qui peuvent jouer le rôle d'un sou. J'ai l'intention de l'appeler cela une équation de guérison. Appelle ce que vous voulez, mais paie-moi ce que vous me devez, Kofi. Ne prenez pas ce temps avec moi. Je respecte ton titre comme la femme de signes et de merveilles, mais vous devez m'accorder le respect que je mérite dans un prophète le plus influent de toute l'Afrique. Ce n'est pas ma responsabilité de faire respecter. C'est ma responsabilité de fournir les services et de recevoir mon droit. Paie-moi mon argent, Kofi. Je ne veux pas être forcé de prendre des actions que vous ne pourriez pas aimer. Ceci est-il une menace? Vous ne voulez pas savoir. Fermez-la. Quand tu seras prêt à descendre de ton piédestal et m'a donné le respect nécessaire, je te parlerai. Hey papa,
Tu es venu chez moi. Bienvenue, bienvenue. Lève-toi, lève-toi. M'embrasse. M'embrasse. Comment vas-tu? Je vais bien, papa. Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. J'espère que tout va bien. Oui, s'il te plaît. Tu sais, je suis très occupé. Je suis très consciente. La mission d'aujourd'hui est de venir pour toi. D'accord. Est-ce que quelqu'un est ici avec toi? Non, s'il vous plaît. Est-ce que tu vis saine? Alors, pourtant... Oh, pas de problème. Allons, pouvons-nous prier dans ta chambre? Non, s'il vous plaît. Tu es sûr que ça ne poserait pas de problème? S'il te plaît, prends le devant. D'accord, allons-y. Non, attends et prie. Cela doit être une session de prière privée. D'accord, je monsieur. Je t'y revois bientôt. Mon Dieu, on t'a béni. La prière est très importante. Donnez-vous à la prière. D'accord. Regardez cet homme que j'ai demandé. J'ai un homme. Tu dors. Là, allons-y, allons-y. Si Dieu le veut, nous nous réveillerons. Oui, s'il vous plaît. Oui. Merci beaucoup. S'il te plaît, soyez persévérant dans la prière afin que Dieu puisse vous rendre grand. J'attends Gloria, 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 Gloria Asamo. Oui. Comment tu t'appelles, Gloria? D'accord, venez ici. Hey, hey, hey. Enfin, pourquoi tu restes là-bas? Tu t'appelles Gloria? Tu t'appelles Gloria? Oui, monsieur. Assez-moi. Oui, monsieur. Monsieur, est-ce que vous êtes tous là? Vous n'êtes pas là. Vous continuez. Quoi plus profond? Vous continuez profondément. Quoi plus profond? Est-ce que nous avons rencontré avant? Oui, monsieur. Oh, elle ne connaît pas de quoi elle parle. Tu entends? Est-ce que nous sommes nous rencontrés physiquement? Oui, monsieur. Nous nous sommes rencontrés à l'entrepôt hier. Oh, elle ne sait pas ce qu'elle dit. Elle n'a pas besoin d'aide. Elle ne me connaît pas. Je suis le bulldozer lui-même. Le bulldozer prophétique. Bah oui, papa. Puis-je aller plus profond? Puis-je aider cette dame? Je vois dans le domaine de l'esprit. C'est vrai, papa. Le 16 mai 2020, ton père est mort. Tu ne peux pas mentir. C'est ce que le Seigneur me montre. Le 16 mai 2020. Parlez-moi, parlez-moi. Mon père n'est pas mort. Mon père est actuellement à Kumasi, en très bonne santé et fort. Oh, elle ne sait pas. Je sais ce que je parle. Je sais le 19 mai 2020. Papa, mon père n'est pas mort. Mon père a commencé à présent en très bonne santé. Tu ne sais pas ce que tu parles. Je suis le bulldozer prophétique. Puis-je aller profondément? Puis-je aider cet homme? Je vois dans les domaines de l'esprit que tu as 5 frères et sœurs. Dis-moi, 5 frères. 5. J'ai seulement 2 frères et sœurs. Je dis qu'il y a 5 frères et sœurs. C'est ce que le Seigneur me montre. Amenez les offrandes. J'ai seulement 2 frères et sœurs. Écoutez, tu n'as pas besoin d'aide. C'est comme si tu deviens fou. Elle a besoin d'une aide psychiatrique. Go, 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 go. Rendrez hommage au oui. Seigneur avec vos cris. Hey! Prophétisez! Regardez, ce qui se passait est partout. Ce qui se passait hier est partout. Sur les médias sociaux, c'est partout. Sur Twitter et TikTok. Oh là là!
C'est un gros embarras. Comment? J'ai reçu hier le dossier d'une jeune dame et je l'ai exploré. Et chaque détail de ce dossier est exact. Ah bon? Mais comment est-ce qu'arrivé? Comment ça se fait? Je ne sais pas. Je suis confus. Oh. Ah. Allô? Prophète Kofi Addo. Comment s'est passé le service aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe avec ta capacité de donner des prophéties correctes? Attends, c'est toi qui as changé les dossiers? Oh, je pensais que tu l'aurais compris avant maintenant. Tu étais intelligent avant. Qu'est-ce qui t'est arrivé? La mère des miracles, c'est comme ça que tu veux jouer? Cela, c'est juste le sommet d'iceberg. Je t'ai des preuves à quoi tu ne peux pas penser et tout ce que tu représentes. Encore, Kofi, nous n'avons pas besoin de suivre ce chemin. Paye-moi juste ce que tu me dois et nous pouvons passer à autre chose. Tu penses que tu peux m'embarrasser? Je vais te montrer que je suis plus grand que toi. Toi qui n'étais personne avant que les pasteurs et les prophètes commençaient à vous aider. Toi, je vais vous montrer. Je suis qui les prophètes de cette nation. Merci pour ton aide, Kofi. Les intérêts sur ce que vous me devez ont augmenté de 50%. Et pour la dernière fois, paye-moi mon argent. Fais face à des conséquences terribles. Au revoir, Kofi. Allô? Allô? Waouh! Elle m'a raccroché. Mieux que chercher. Tu n'as fait plus que ce que tu pouvais marcher. Moi, le bulldozer, je lui montrerai de quoi je suis capable. S'il veut la guerre, je lui donnerai la guerre. Et papa, j'étais pensé si nous devions simplement lui payer l'argent. J'ai quelque chose dit, je peux contribuer. J'ai aussi un peu d'argent de contribuer. Taisez-vous! Sa maison. Didi, venez voir quelque chose. Venez voir une vidéo qui est partie sur l'internet. Didi. C'est comment? Venez voir. Il faut voir ces nouvelles. Regardez-le. Il a une relation sexuelle avec nous. Et quand il a fini, il nous demande de prêter ses mots avec lui. Je suis l'une de ses victimes. Quelqu'un a accusé prophète Kofi de viol. Et plus de femmes affirment qu'elles sont toujours des victimes. Je la connais. C'est faux. Comment pouvez-vous être sûr, Didi, que c'est faux? Il fait le but avec cela, juste pour monter contre les prophètes. Le prophète ne le fait pas. Daniel, comment vous êtes très sûr? Je connais cette dame. Elle est l'assistante d'une des amies du prophète. Vraiment? Ils sont en désaccord à ce moment. Je suis sûr que cette dame peut lui se battre. Didi, vous êtes sûr? Je suis sûr que c'est faux. Il essaie de l'accuser. C'est évident. Regardez lui. Regardez son visage. Elle prétend. Ah! Et si il l'a fait? Peut-être qu'il ne connaît pas le prophète comme je le connais. Je sais que je dis. Je connais le prophète. Qu'à cela nous tienne. Si tu connais le prophète, tu saurais qu'il ne peut pas faire cela. Il est juste attaqué. Bébé, ne plus prêter attention à la diffusion de WhatsApp et toutes les nouvelles de médias sociaux. Il ne te serait pas aidé. Prends. Voilà, dame. Thank you.
pas. Papa. Papa. Ça va bien. Papa, vous pouvez. Vous n'avez pas vu les nouvelles et il y a des problèmes. Certaines personnes ont vu que les utilisent et manipulent bla 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 bla. Qu'est-ce qui sont des aveux ou des mensonges? Assieds-toi. C'est ce que mes amis ont fait. Une chose que tu dois faire dans le ministère, et c'est développer une force de l'esprit pour des choses comme ça. Parce que quand les gens voient que tu es en train d'être ici, la prochaine chose qu'ils font est d'assassiner qu'ils vous font tomber. Voyez, c'est mieux que Cheche qui fait toutes les choses. Je viens de commencer, Kofi. Si tu ne me donnes pas mon argent, je te ruinerai, toi et ton ministère, dans cette vie et le continent d'Afrique entière. Oui, c'est ce qu'elle m'a envoyé. C'est trop. Oui. C'est méchanceté. J'ai présumé la même chose. Et j'ai dit à ma femme que... Oh, désolé, papa. Ta femme? Oui, papa. J'ai dit à ma femme... Et qu'est-ce qu'elle dit? Nous étions en train de parler. Est-ce que vous ne le faites pas? Nous savons que vous ne le faites pas. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je reconnais l'une de ces femmes. Elle était avec la femme responsable du syndicat ce jour-là. Vraiment? Oui. Mon mec, c'est mieux que Chichi et mes ennemis qui se sont ligués de mentir contre moi. Tu sais... Nous nous sommes réunis pour gagner des âmes. Et tous les jours, l'argent, 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 l'argent. Même Dieu nous reçoit 10%, mais mieux que je vais prendre toujours l'argent qui dépasse parfois mon imagination. Comment nous pouvons gagner les âmes? Comment nous pouvons aider les âmes? Un peu d'argent que nous gagnons après tous ces miracles et à partager pour aider les gens. Peut-être cela, c'est la raison que deux de mes pasteurs principaux ont démissionné. Vraiment? Oui. Je ne sais pas. Ils ont déposé leur lettre. Ah. Peut-être ils pensaient que j'ai l'argent et je ne prends pas soin d'eux. Ce serait la raison pour laquelle certaines de ces personnes inventent toutes ces histoires de viol. Peut-être ils ont faim. Pensez-vous que nous devrions utiliser de l'argent pour calmer ces problèmes? Ça serait une bonne idée, papa. Parce qu'ils n'ont rien à perdre. Nous avons notre image à protéger. L'image de l'Église. Et votre image sont trop importants à ce stade. Vrai. Et Romains 12, 14 dit, bénissez ceux qui nous persécutent. Allons-y. Intéressant. Peux-tu faire ça pour moi? Oui, je vais suivre toutes les filles et commencer à les surveiller. Ce serait une bonne idée. Je ne cesserai pas de les surveiller. J'irai voir les médias. Et toutes les plateformes médias sociaux peuvent bloquer les nouvelles et remplacer tous les mensonges par la vérité. C'est une bonne idée. Je mettrai tous les fonds à ta disposition pour que tu puisses aborder tout cela. Parce qu'il ne peut pas être comme moi. Il m'envie et les gens qui m'entourent. Papa, mais quand j'étais prié la semaine dernière, il y avait une bataille contre vous. Et pas juste contre vous. Kai. Je vous soutiens. Et je vous soutiens le corps du Christ. L'Église prospère et les portes de l'enfer ne peuvent pas prédominer. Alléluia. Tu es un sage fils. Et c'est pourquoi je t'aime. Je vais doubler ton argent. Ah, d'accord. Rejoins-moi pour boire. D'accord. Laissez-moi appeler. Ama.
Donc, il a couché avec toi? Oui. Toi aussi? Oui. Nous connaissons où tous les problèmes viennent. Je sais les responsables de cette bataille. Nous connaissons qui vous a dit de faire tout cela. Ils sont les pasteurs qui sont contre prophète Kofi. Il faut donc lâcher un problème. Les médias, blogueurs, nous savons quoi de faire. Sincèrement. Sincèrement. Cependant, nous avons tout vous réglé pour ceux qui veulent vous taiser. D'accord? S'il a couché avec vous, il n'a pas couché avec vous. Ce n'est pas ce qui est important maintenant. Ce qui est important est que vous êtes bénis. Prends. 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 Il m'a violé. Hey, prends. Jésus. Merci, monsieur. Vous pleurez tout à l'heure. Et tout d'un coup, à cause de l'argent, vous riez. Merci, monsieur. Vous allez signer monsieur. Pour ne pas recommencer. Viens ici. Comment ça se passe, Daniel? Cela se passe bien. Certains de copains, d'autres non. Mais la majorité copains. Peut-être parce que je dis que nous devrions faire le gentillesse à leur égard au lieu de les attaquer. Ils l'interprètent maintenant comme un acte de culpabilité. Comment peut-on avoir la culpabilité pour ce qu'ils ne font pas? Daniel, juste continuer à les régler. N'hésitez pas à demander plus d'argent lorsque tu en as besoin. Vous êtes celui qui m'a le plus surpris parmi tous ceux qui ont menti contre papa. Cet homme-là est un bon homme. Il est un bon homme. Je vous dis quelque chose. Cet homme m'a envoyé 5000 dollars quand je n'avais rien au Nigeria pour me conduire à Accra. M'a donné un logement. Conduit ma femme aussi. Il a bien pris soin de nous. Il a bien pris soin de ma femme. Pourquoi tu traites cet homme comme si... Je sais que cet homme personne paie les dames pour mentir contre lui. Cependant, nous avons également essayé d'effectuer un complément. Dis-moi, combien vous ont-ils payé pour que nous puissions doubler les paiements? Personne ne m'a payé. Je ne sais pas ce qu'il en est des autres femmes, mais papa me manipule depuis 12 ans. Qu'est-ce que tu veux dire, papa t'a manipulé? Hein? Un homme qui a quitté son temps chargé l'autre jour, nous sommes venus chez vous. Il a sacrifié et prié pour vous. De quoi parlez-vous? Vous êtes bête. Pensez-vous que les prières spéciales étaient pourquoi? L'autre jour que vous êtes venu ici, il a couché avec moi. Il m'a fait subir de harcèlement sexuel. Dans ma chambre. Pouvez-vous imaginer? Calmez-vous. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Hein? Mais il t'appelle sa fille. Oui, lorsque mon père est mort il y a 12 ans, je le considère comme mon père. C'est la première fois qu'il m'a violée. Et m'a menacé. Il a 12 ans. Et tu étais encore en bon rapport avec lui l'autre jour quand nous sommes venus chez toi. Ce récit n'a aucun sens. Réfléchissez. Cela n'a aucun sens. Depuis il m'a violé, il m'a toujours dit que c'était la volonté de Dieu. Et je réponds toujours à ses besoins puisque sa femme n'est pas là. C'est ainsi qu'il a fait l'habitude de coucher avec moi. Et il ne le fait pas sans me manipuler.
J'ai essayé de partir, mais je ne sais pas pourquoi je suis coincée avec lui. Écoute-toi-même. Et écoutez ce que vous dites. Vous n'avez pas la honte. Vous n'êtes pas un bébé pour l'amour de Dieu. Hein? Comment quelqu'un peut te violer et vous revient plus les plaisirs? Et te dit que tu ne sais pas ce qu'il le fait. Qu'est-ce que tu dis? Tu ne peux même pas mentir. Au lieu de faire une bonne chose avec ta vie, tu rejoins le jeune pour mentir contre l'homme de Dieu. Tu veux le faire tomber, n'est-ce pas? Cependant, il m'a dit que je devais te régler avec 10 000 $. J'espère qu'après nous te régler, tu vas cesser tes mensonges. Veuillez me communiquer votre numéro de compte afin que je puisse t'envoyer 20 000 $. Je n'ai pas besoin de votre argent. Le jugement de Dieu viendra sur toi, toi et votre soi-disant prophète. Le feu vous brûlera. Vous serez frappés par le tonnerre. Voleur. Vous voyez? Dieu vous punira et le tonnerre vous frappera. Vous voyez? C'est clair maintenant que vous êtes une très mauvaise personne. Très mauvaise! Kai! Il ne sait pas ce qu'il dit. Non. Écoutez, mon frère. Je te dis avant que l'objectif est de donner une mauvaise image de l'Église. Ils sont seulement contents que l'Église est sur les nouvelles afin de pouvoir donner une mauvaise image de l'Église. C'est l'occasion pour eux de plancher le culotte. Nous connaissons la véritable chaîne de télévision de ce pays. Non. Nous défendrons le corps du Christ. Pas de problème, mon frère. Pas de problème. D'accord. Merci. Ça va bien. Et vous pouvez être à manger maintenant. Jeûne encore. Jusqu'à maintenant, vous jeûnez encore. J'ai vraiment besoin de jeûner. Parce que tous les ennemis qui combattent papa, physiquement et spirituellement, ils doivent renoncer. Les armes de notre combat ne sont pas Chanel. Mon chéri, j'ai regardé l'interview télévisée. Ne pensez-vous pas qu'on vous fait trop avec cette affaire? Je ne suis pas. Tu ne sais pas ce que papa a fait pour nous. Ma chérie, qu'est-ce que c'est? C'est une douleur thoracique. Comment j'ai mal à la poitrine. Désolé. Ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? J'ai juste mal à la tête et à la poitrine. Je vais tu bien. Tu n'es pas allée à la consultation prénatale aujourd'hui? J'y suis allée. Ils sont supposés de te donner des médicaments. Tu les as pris? Mon chéri, j'irai plus tard à la pharmacie pour acheter appeler les médicaments. Mon chéri, je vais bien. Non, je vais appeler les médecins, ma chérie. Mon chéri. Laissez-moi vous conduire à la pharmacie. Didi, je vais bien. Asseyez-vous, s'il vous plaît. On doit parler. D'accord.
Qu'est-ce que c'est? Mon chéri. Mon amour. L'idée de quitter l'église de Pasteur Nicolas d'abord et se déménager au Ghana était de commencer votre propre ministre. Vous êtes sûr que c'est ce que vous faites maintenant? Peut-être que je voulais fonder ma propre église à ce moment-là. Et si nous étions encore au Nigeria, nous aurions probablement commencé, mais nous sommes maintenant au Ghana. C'est important que je maîtrise les terrains ici. Et cela, c'est ce que papa m'aide. Monseigneur, les ministères. Je sais que vous assistez à certaines de ces réunions et vous prêchez quelquefois. Mais Didi, je ne pense pas que c'est pour cela que vous avez quitté Pasteur Nicolas. Didi, je ne pense pas que c'est tout ce que vous voulez laisser de faire et devenir. Sincèrement, il aurait également pu rester comme un ministre là-bas. D'accord. Tu dis quoi exactement? Peut-être c'est l'aide de laisser papa tranquille maintenant et retourner au Nigeria. Qu'est-ce que tu dis maintenant? Mais si tu peux que je suis mon appel, nous ne pouvons pas laisser papa dans tes moments. Il a besoin que je sois le soutien. Tu dis qu'on allons nous repartir. Retournons-nous au Nigeria. Je veux retourner. Je veux que nous partions. Je veux retourner. Pourquoi tu pleures? J'ai mal. C'est ma poitrine. Désolé. Désolé. J'appelle le médecin, d'accord? J'appelle le médecin maintenant. Probable 20-20. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe entendra au milieu de ténèbres. Les pasteurs et les ministres, nous devons vraiment faire attention de ce que nous disons. Nous devons faire attention. Je connais papa très bien. Il n'est pas parfait. Il n'est pas un homme parfait. Mais je veux assurer que toutes ces femmes sont des menteuses. Elles mentent comme lui. Ce combat est mené contre chaque d'entre nous et contre le corps de Christ. Je pensais que vous m'applaudirez pour tout ce discours fantastique. Quelqu'un a-t-il une question à poser? Mais pourquoi c'est notre pasteur qui est-il toujours au cœur de tel scandale? Je suis d'accord. Exactement, toujours. Je suis d'accord. Daniel peut-être ne sait pas quelque chose, mais ceux qui sont ici depuis le début de l'église savent que ce n'est pas la première fois que nous attendons des rumeurs comme cela. Et ce n'est jamais question d'autre chose que d'abus sexuels, faux miracles et d'exploitation des finances des gens, le tout au nom de la semence. Mais il est l'un des plus grands pasteurs de Ghana. Et notre église est l'une de ceux qui se développent le plus rapidement. Cela ne suffit pas qu'il soit persécuté. Non. Daniel, il y a de plus grandes églises que la nôtre, Daniel, même dans votre pays, Nigeria. Si c'était un combat contre le corps du Christ, donc d'autres autres églises devraient aussi être attaquées. Nous ne devions pas utiliser quelques-uns pour juger l'ensemble du corps du Christ. Le gardien, intéressant. S'agit-il toujours de ressources et pas de la santé du cœur de Christ, Daniel? Tu ne peux pas comprendre que le cancer, dont le tumeur, sont également les formes de croissance. Mais la vraie question est de savoir que le type de croissance s'agit-il. Cependant,
corps de centaines de milliers de personnes se rassemblent dans un stade. Cela ne dit pas que Christ est là. Et pour eux se rassemblent pour le football. Je m'en fiche, c'est juste à ce moment, je ne sais pas quoi penser, mais je dors follement qu'il a s'agit de persécution. Hey, ancienne, il s'agit d'une persécution. J'ai des faits. J'ai des faits. Mais malheureusement, peut-être pour des raisons de la sécurité, je ne puisse pas les partager ici. Je ne peux pas le partager ici. Partager. Je ne peux pas la partager Pourquoi ici. Pas? Ma sœur a été une victime. Il a couché avec elle. Il l'a forcé d'avorter et elle est homo. Elle avait 28 ans. Viens. Avez-vous la preuve que papa l'a tué? Il s'agit d'allégations sérieuses. On ne peut pas se réveiller et dire n'importe quoi. Ma soeur avait vu les preuves. Quelle preuve voulez-vous encore? Je n'ai aucune à montrer. Elle est ma sœur et je la crois. Ses propos sont non pertinents. Juste comme toutes les autres femmes parlent. Leurs émotions sont basées sur leurs sentiments. Aucune preuve unique. Mon conseil pour tout, est-ce que nous devrions défendre papa à ce moment? C'est très important. Pasteur Daniel, tu sais, dans la 1 Timothée, chapitre 3, verset 2, la Bible dit qu'un homme de Dieu doit être irréprochable. Ses reproches sont trop nombreux. Il ne s'agit pas du type de persécution que nous avons vu dans la Bible. Pourquoi les nôtres sont-ils différents? Écoutez, Paul nous dit dans le 1 Thessaloniciens 5, verset 12, que nous devons honorer ceux qui sont l'autorité. Il a dit que nous devrions les rendre hommage à ceux qui sont travaillent dans le monde pour nous. Il a dit qu'on doit le tenir en haute estime. Mon simple conseil que je vous ai dit que nous devons couvrir pour notre homme de Dieu. Cet homme a travaillé pour nous. Cet homme m'a aidé. Il a eu certains dons de vous ici. Il a donné la brousse des tuiles à beaucoup de gens. Ah! La loyauté doit-il rendre aveugle? Daniel, ça c'est la loyauté aveugle. Je me vais. Oh, monsieur Fripon est sorti. Écoutez, c'est clair que nous ne comprenons pas l'autorité spirituelle et loyauté. Alors, si vous voulez partir, Le soja revient. Si vous voulez partir, vous voulez partir. Calmez-vous les années, silence, je dois dire quelque chose. Parfois, des gens comme toi, Daniel, qui défendent les mensonges, n'ont jamais été victimes. On ne faut jamais croire que le tel se passe encore le Christ. Lorsque nous parlons, il dit que nous détestons le corps. D'autres défendent le message parce qu'ils sont bénéficiaires du système. Que Dieu nous justifie et que Dieu nous juge. Mio coucou chéché. Où êtes-vous? Mio coucou chéché. Pourquoi allez-vous jusqu'à déterrer des allégations d'il y a plusieurs années? Étiez-vous aussi péril à cause de l'argent? Pourquoi vous riez? Vous pensez que je bluffe? Péril? Peut-être souhaitez-vous également voir ce document. Qu'est-ce que c'est? Prends! Ça, c'est le document de toutes vos fraudes financières. Comment vous utilisez votre église pour dilapider l'argent des politiciens fraudeurs? Pas encore. On n'en est pas là. Vous incriminez? Oui. Vous ne le faites pas? Je vois que vous avez réussi à mentir au corps de Christ. Et la plupart te croient. Je défends prophète Kofi. Je défends le corps de Christ. Quel Christ pensez-vous que vous représentez? Kofi, cette fois,
tu vas tomber. Nous pouvons régler cela. Je vous ai payé la semaine prochaine. J'ai dépensé beaucoup de l'argent au cours de cette période. Si ce n'était pas par le cas, je vous ai payé. Tu veux régler? Je n'ai pas fini avec toi. Veux-tu voir un film? Je cherche une entité pour le nommer. Je cherche... Peut-être tu peux m'aider. Prends. Prophète Boudouze, mon Boudouze. Jésus, comment l'avez-vous obtenu? Oui, c'est ça. C'est fini. Mon prophète, mon Boudouze, papa. Je l'aime. Papa, vous ne pouvez pas faire cela. S'il vous plaît. Ouais. Nous pouvons le régler. Je paierai tout votre argent demain. S'il vous plaît. Permets-moi de te donner quelques informations sur ce syndicat. En tant que la mère de ce syndicat, j'ai des yeux partout, votre chef de cuisine jusqu'à l'équipe de sécurité. Lorsque nous percevons que nous deviendrons probablement un problème à l'avenir, nous commençons à rassembler des preuves contre vous que nous pourrons utiliser comme un nœud coulant autour de ton cou à longue gorge. Oh, ne demande pas le pardon, Kofi. Le syndicat interdit l'exemple de demander pardon. Nous sommes des gens d'honneur, prestige et grâce. Les gens que le Seigneur a bénis. Votre temps est écoulé au Ghana, Kofi. J'ai déjà un remplaçant pour vous. Vous allez tomber. Ah, en attendant, envoyez mes salutations à votre assistant pasteur nigérien, Daniel. Le plus insensé que j'ai rencontré. Il fait du bon travail. Vous, que faites-vous ici? Je suis. Oh. Qui? Le sauveur? Je ne suis pas lui. Alors, qui êtes-vous? Je suis Miyoko Kusheche. Mami Oyen Sejuni. La mère des signes et prodiges. Je ne suis pas là pour te faire du mal. Je laisse mon message et je sors. Respirez. Expirez. Bonne fille, dites-le à votre mari qu'il a mangé plus qu'il n'aurait jamais pu avaler en défendant Kofi à deux. Et une arête de poisson est peut-être déjà conçue dans sa gorge. Ce qui est amusant avec les arrêts de poissons, c'est que la plus petite d'entre elles peut causer des dommages mortels. Mais peut-être pourras-tu trouver un moyen d'échapper des bombes à retardement qui arrivent. Voilà. Oui, madame. S'il vous plaît, ne me faites pas du mal. Mon mari.
Je te connais, Rita. Je connais ton mari. Et je connais le bébé. Ma chérie, bienvenue. Merci. Tout va bien? C'est... Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Venez, il faut parler. Sois calme, d'accord? Asseyez-vous. Asseyez-vous, d'accord? Lentement. Bon. Après avoir fait des courses au centre commercial, je suis entrée dans ma voiture de rentrer chez moi. Une femme étrangère montée dans ma voiture. Ah, comment se fait-il? Je ne sais pas. Elle a un regard féroce qui fait peur. Elle m'a dit que je devrais vous dire que vous mordez plus que vous pouvez marcher en regardant le cas de papa. Qui est-elle? Qui est cette dame? Elle a dit que son nom est... Miyoko Chachel. Miyoko Chachel? Quelque chose qui signifie la mère des signes et des prodiges. Miyoko Chachel. Jésus! Vous avez fait du mal? Vous avez touché? Elle m'a dit de vous prévenir. Mais que veut-elle de ma famille? Ce combat est contre Kofi Addo et pas moi. Daniel, regarde. Quoi qu'il en soit, quittons le pays et commencerons à retourner au Nigeria maintenant. J'en veux plus. Daniel, je ne peux pas. Je ne peux pas. S'il vous plaît, revenons maintenant au Nigeria. Bébé, ne t'inquiète pas. Ce que nous ferons, c'est renforcer la sécurité de cet environnement, même que dans la maison, où nous voyagerons à un environnement bien fermé. Je sais pourquoi une somme me suit, à cause du prophète. Nous gagnerons ce combat. Après tous les problèmes avec papa fini, nous ferons... Cela ne s'arrêtera jamais. Cela ne s'arrêtera jamais. Je suis fatiguée. Retournons au Nigeria. Daniel, je vous en prie, il faut retourner au Nigeria. Il faut revenir maintenant. Maintenant, Daniel. D'accord, d'accord. Arrêtez de pleurer. Tu sais quoi? Je vais arrêter de parler à la presse à propos des problèmes du prophète. Et je crois que ça fera bien. D'accord?
Ce qui me rassurera, c'est de voir cet animal qui nous fait appeler le prophète Kofi. Allez en prison. Faites-le souffrir pour ce qu'il nous a fait. Hé chérie, arrêtez de dire ça. Tu as encore peur. Il y a quelque chose que j'ai besoin de vous dire, Daniel. D'accord. L'enfant, c'est pas le nôtre. C'est pas le vôtre. Que voulez-vous dire? Pas l'enfant n'est pas le nôtre. C'est pour papa. Quoi? L'autre jour, qui vous est envoyé pour le représenter, pour prêcher dans l'une de ces réunions. Il est venu à la maison. Salut. Bienvenue, monsieur. Merci. Prends-moi dans tes bras. Allez, viens. Prends-moi dans tes bras. Comment ça va? Je vais bien. Merci. Tout va bien? Oui. Tout va bien. J'ai fait une visite à Nopini. Je dois faire quelque chose. D'accord. J'ai reçu un appel des responsables de l'établissement qu'il y avait des fruits dans la chambre principale qui doit être réglé et c'est pourquoi je suis venu vérifier moi-même. D'accord. N'avez-vous pas constaté des fruits dans la chambre principale? Je ne pense pas, papa. Vous êtes sûr? D'accord. D'accord. Cela de la part de n'importe qui, je vous tuerai et ton mari au Ghana. Berke. Enfant n'est pas le nôtre. C'est pas le vôtre. C'est pour papa. À l'interview télévisée pour le
nom de Jésus. Ah! Kofi! Kofi! Ah! Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Kofi. Kofi. Où sont mes clés de voiture? S'il vous plaît, Daniel. S'il vous plaît, Daniel. S'il vous plaît, Daniel. Je suis désolée. Daniel, s'il vous plaît, ne vous faites pas du mal. S'il vous plaît, je vous en prie, Daniel. Je suis fatiguée. Je ne peux plus le faire. Pourquoi j'étais si aveugle? J'ai fait une grosse erreur. Mon Dieu. Parfois, des gens comme toi, Daniel, qui défendent le mensonge, n'ont jamais été victimes. Pourquoi je ne l'ai pas su pendant tout ce temps? Pourquoi? Maintenant, je ressens la douleur de ces innocents. Le jugement de Dieu viendra sur toi, toi et votre soi-disant prophète. Il m'a violée. Il a couché avec elle, il l'a forcée d'avorter et elle est en mort. Avez-vous la preuve que papa l'a tuée? Je ressens la douleur. Mon Dieu. Daniel, tu peux partir. Je ne te maudis pas. Je suis très désolé. Je suis très désolé. Je dois aller me réconcilier rapidement avec ma femme et voir comment nous pouvons nous arranger.
est parti. Kofi. Kofi, tu es fauché. Le prophète est parti à prison. Je suis sûr que nous lui trouverons. Où est-il? Merci, monsieur. Oui, monsieur. Merci, monsieur. D'où merci, vous êtes ici. Je voulais juste appeler la police tout de suite. Il y a une urgence. Vous appelez Daniel Dosumu? Oui, je m'appelle Daniel Dosumu. S'il vous plaît, m'aidez à arrêter prophète Kofi. Il a violé ma femme. Monsieur Daniel Dosumu, vous avez que le prophète s'est échappé. Il ne peut pas s'échapper. Il est introuvable. Il ne peut pas s'échapper. En attendant, vous êtes en état d'arrestation, monsieur Daniel. Pourquoi? Pour le blanchiment d'argent et harcèlement sexuel. L'argent? Moi? Je suis une victime. Je suis une victime aussi. Qu'est-ce que je fais? Je suis une victime monsieur aussi. Monsieur Daniel Dosumu, nous avons des preuves de signature contre vous de fraude financière à toutes sortes d'atrocités financières. C'est faux. Ce n'est pas la vérité. Je dis que je suis une victime. Il m'a exploité. Il m'a détruit. Ah non, 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 non. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Je ne l'ai pas fait. Ah! J'appellerai mon avocat. J'appellerai mon avocat. Ah, Kofi, m'a fait ça. Ne me pousse pas. Ne me pousse pas. Kofi, oh! Quelle est la raison d'être du ministère? Quelle est la motivation d'être du ministère? C'était une bonne idée? S'agit-il un résultat de la force? S'agit-il Dieu volontaire de prouver quelque chose? Si la source n'est pas en Christ, l'objectif et le résultat final ne peuvent pas être bons. Cela a créé beaucoup d'espace pour les démons à prendre le côté et diriger les affaires de son ministère, afin d'accomplir des souhaits de Satan. De ministère. Si l'objectif de ministère est de gagner l'argent, ça sera évident sur les stratégies. Si l'objectif de ministère est le nom, vous le verrez dans les stratégies. Il ne s'inquiète pas si ceux-là font une abomination. Tant que cela produit des réactions, plus de vues, plus de partage sur les médias sociaux, ils accepteront. Je vous demanderai en toute sincérité de dire à votre mari de se retirer. Je pense que c'est la situation appelée pour la prière, pour rechercher la face de Dieu, pour savoir quelle est sa volonté pour lui. Comme je dis, je suis prêt à prendre un temps de conseil personnel de lui. Merci, monsieur. Tout cela pour cela aider. Cela aidera vraiment, monsieur. Merci beaucoup. Oh là là, nous avons été ici depuis plus d'une heure. J'ai besoin de passer. Je suis vraiment désolée. C'est nécessaire que je voie mon bébé. Merci beaucoup. Des bons acteurs pour notre prochaine croisade au Zimbabwe.
Allô? Allô? Écoutez, la mère des miracles. J'ai appris mes leçons. Et je n'y devrai jamais encore. Tu es un très bon garçon. En attendant, comment se porte au Zimbabwe votre nouveau lieu de résidence? J'ai entendu que votre ministère comptait plus de 2000 personnes en un seul mois. Tu sais que je suis les plus deux heures. Comment se porte votre assistant personnel, Daniel? Je ne sais pas où il est. Considérez-vous vos demandes effectuées? Merci, Miyoko Chéché. Je peux toujours compter sur toi.